Tout de suite, nous sommes avec David Abiker qui vient de nous rejoindre. Bonjour David. Bonjour Elena, bonjour Julia, bonjour les David. Expertes. Bonjour, salut bonjour. Les étudiants et les parents d'étudiants et les conseillers d'orientation, les profs. Salut l'angoisse. Salut l'angoisse. Non mais justement, fini l'angoisse parce que j'ai adoré lire votre chronique que j'ai eu la chance d'avoir avant tout le monde. Ah. Puisque justement, vous êtes là pour donner des conseils à ceux qui savent ou à ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Bah, je vais donner 7 conseils qui sont peut-être un peu politiquement incorrects. Vous êtes très 7 nains. J'y crois. Ouais, je suis très 7 nains. Le chiffre 7, ça porte bonheur. Mais avant mais moi, je suis très Blanche-Neige. Je veux dire ma compassion aux parents et aux enfants qui s'angoissent parce que choisir une orientation, il n'y a rien de pire. On a l'impression qu'en ouvrant une porte, on va s'enfermer plein d'autres. Et en plus, derrière cette porte, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Et ça provoque des angoisses existentielles atroces, des conflits. Bref, s'orienter, c'est choisir. Et choisir, c'est souffrir. Donc, il faut souffrir un peu pour faire le bon choix. Alors voilà, mes 7 conseils qui n'engagent d'ailleurs que vous. Mais je vous les donne quand même. Mon premier conseil, c'est de vous écouter. Si vous avez une vraie attirance intellectuelle pour des études, alors vous foncez, vous n'avez pas besoin de moi. Mais attention, il faut une vraie envie. Une vraie envie, c'est quoi? Une vraie envie d'étudiant ou de collégien? C'est que ça vous intéressait déjà en première, que vous lisez sur le sujet depuis longtemps, que vous avez une super note dans la matière, sinon c'est pas la peine. Deuxième conseil, vous évitez les voies de garage. La sociologie, c'est super. La psychologie, c'est génial. Les facs de lettres, c'est génial. Les facs de langue, c'est formidable, magnifique. Méga sympa. Mais attention, si vous n'êtes pas sûr de vouloir être Bourdieu, Françoise Dolto ou professeur de français, vous évitez de vous garer sur une voie de garage, parce que les voies de garage, c'est super. On rentre très facilement, on sort difficilement. Troisième conseil, si vous ne savez pas, mais alors vraiment pas ce que vous voulez faire, alors il faut suivre le troupeau. Mais attention, il y a troupeau et troupeau. Il faut suivre le troupeau des bons élèves. Les bons élèves, ils font quoi? Ils font des prépas, ils font du droit, ils font des maths, des filières technologiques, ils font médecine, ils font pharmacie. Fréquenter des bons élèves, c'est toujours stimulant. Et les suivre aussi... Fréquenter David Abiker. Oui, par exemple, après tout, je vois pas pourquoi il y aurait une criminalisation des mentions et des bons élèves. Vous évitez les bouffons, les bolosses et les cassos. Et n'écoutez pas les stars du showbiz et de la télé qui font les malins en expliquant qu'ils étaient nuls à l'école. C'est de la démagogie et c'est nul. Je répète, c'est de la démagogie et c'est nul. Quatrième c'est conseil, vrai. On vous dit les études c'est cher, c'est la crise, c'est vrai, mais les prêts étudiants c'est pas fait pour les chiens et les bourses non plus c'est pas fait pour les chiens. Si vous rêvez de faire des études de vos rêves, alors endettez-vous, vous rembourserez après. Cinquième conseil, ne faites pas des études pour faire plaisir à vos parents. Si vous avez envie de travailler tout de suite et vite parce que ça vous branche, parce que vous êtes concret, parce que vous avez envie de bouffer le monde, travaillez tout de suite ou faites des études courtes et concrètes. Sixième conseil, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, partez à l'étranger, mais attention, il y a étranger et étranger, aller apprendre une langue, aller voir du pays, apprenez l'anglais ou le chinois de préférence, mais pas le suédois. Septième conseil, c'est le dernier, n'achetez pas vos études sur plan. Quand on achète un appartement et qu'on l'achète sur plan, on a des surprises. Lisez les programmes, rencontrez les étudiants qui vous ont précédé sur Facebook ou ailleurs. Regardez à quoi ressemblent les profs. Prenez rendez-vous avec eux. Visitez les bâtiments, vérifiez qu'il y a fromage et dessert à la cantoche et un super BDE. Quand vous achetez un ordinateur, vous le regardez, vous l'essayez, et bien les études, c'est pareil. Avant de choisir, on teste. Voilà. Génial, c'est parfait. Je pense qu'on n'a presque rien à redire à cette chronique de David. Sauf et aller voir les conseillers d'orientation, évidemment. Sauf évidemment. Peut-être pour les voies de garage qui vous ont fait réagir, Julie. Oui, parce que j'ai fait de la sociologie. Ah, il y en a toujours non. un dans le studio non, qui a fait psycho ou sociologie.